Ouais, bien ou bien la famille. Requiem, c'est Mr. Crocodile, la gargouille, comme d'habitude, en direct de chez ta grand-mère. Je crois que c'est clair. Walibi Schtroumpf, pas un carrefour tout. Big up à toute la CAF Comedy Club. Bon, aujourd'hui, énième PLS du jour pour un mec qui est en direct, là, cette heure-ci, encore une fois. Il est 9h30 du matin, on est samedi. Et Walid Quichot-Lardon est en train de chier littéralement sur Nabila de AliExpress, a.k.a. Diana, Nadia, bref, la sorcière mal aimée. Bon. Walid Quichot-Lardon, non content d'avoir dit de la merde sur Internet pendant des années, soi-disant, encore une fois, tu nous l'as fait il y a 2 semaines, même pas la semaine dernière. Je quitte Internet. T'as donné rendez-vous à Winnie l'ourson au petit bar. Résultat, il est parti là-bas à 16h30. Il a sucé tous les œufs qu'il y avait. Toi, tu vas plus retourner au petit bar. Tout le monde le sait. Donc, résultat des courses, on sait que vous êtes deux grosses tapettes. Ok? Samir, l'as de cœur, Samir, mes boules. T'es une grosse tapette. Tu es une grosse tapette. D'accord? Arrête de faire tes blabla, genre tu vas faire le redresseur de tort. T'es une putain de baltringue. D'accord? On va être clair. Arrête de faire ton kekos, wesh. On l'a vu, ton rendez-vous, on l'a vu. T'es parti 4 heures avant pour chercher des amigos sur place. T'avais peur de manger une déculottée contre un mec, on sait très bien que c'est un pipeau-terre. Donc, c'est bon, tu t'es remis en place tout seul. T'inquiète pas, tu parles de religion. Allah voit tous vos pipeaux. S'il existe comme vous dites, apparemment vous n'avez pas l'air d'avoir très peur de lui. Bref, peu m'importe. Ça, c'est vos pipeaux. Revenons à nos moutons. Walid Quichot-Lardon. Alors toi, pareil avec l'autre là, la des eaux. Hey, gros, ces meufs-là, tu les as pas touchées, gros. Hey, t'as une maladie mentale, Walid Quichot-Lardon. Toutes les meufs, elles sont à toi. Mais en fait, elles viennent et se foutent de ta gueule sur tes chats. Et elles sucent des tonnes de bonhommes qui ont un cerveau, une paire de couilles. Toi, tu te tripotes sur des conversations de WhatsApp. Écoute, je suis passé hier sur un de tes lives, j'écoute 2 secondes. Tu titrais Diana, Nadia, Diana, t'étais en galère. T'étais là, je m'explique, tu me donnes des explications. Déjà, tu te mêles d'affaires qui te regardent même pas. Parce que les gens dans cette affaire, ils te calculent même pas. L'essentiel, c'est de savoir. La Diana, là, si elle se fait traiter de traînée, c'est parce que c'en est une, tout simplement. Elle est partie exciter des cadavres de Belgique. Elle est partie exciter des salafiotes ensuite. Et pour retirer le crédit aux salafiotes, au lieu d'aller voir les salafiotes qu'elle a draguées, genre Mégafiotes, PSG et toute la bande de barbouilles, au lieu d'aller les voir eux, elle est partie voir JR de la Crasse. Histoire de leur dire que, dans son estime, même un cadavre lépreux mérite mieux qu'eux. Ça, c'est le seul truc positif qui s'est compris de cette michetonneuse. Maintenant, elle a quand même twerké pour des cadavres. Elle t'a quand même fait croire que ça allait être ta meuf. Et toi, tu t'es marié avec son répondeur, Walid Quichot-Lardon. Et là, t'es en train de parler, tout ça. Et tous les mecs qui te laissent parler, tous les mecs qui sont sur ton chat, ils se foutent de ta gueule. Il n'y a pas d'autre solution. Ça fait 2 ans, tu pipotes. Soi-disant, t'es Qatari. Alors comment ça se fait que à 9h du soir, t'es sur Internet, t'es sur YouTube en live. À 9h du matin, t'es déjà sur Internet. Depuis 2 heures, t'es sur YouTube en live. Walid Quichot-Lardon, tu te contredis tout seul. T'es sale, on a vu ta tête de Bogdanov finie à la pisse. Oh, t'es comme t'es la version ratée des Bogdanov, t'es au courant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'es leur doublure pour les scènes d'action. Hey, il y a un malaise. Tu viens, tu nous racontes ceci, cela. Écoute, ces meufs-là là, dont tu parles, on sait que tu leur as envoyé la photo de ta bite. On le sait. La photo de ta bite, mais même les Rossi l'ont, la photo de ta bite, Walid Quichot-Lardon. De quoi tu parles? Tu crois que ce que tu as fait il y a 2 mois, ça s'est oublié, Walid Quichot-Lardon? Parce que tu as changé la couleur du logo de ta chaîne?
Eh Walid, Kisholardon, il y a des audios de toi où tu parles de ta daronne, où tu parles de ta sœur, où tu parles de ton autre sœur, où tu parles de tes frères. T'as raconté tous les dossiers, tout le sale de ta mif de mange-merde. On a vu ton petit frère, il se prend pour Raël de Wish. Il va se manger des tartes, il va se faire traîner par terre comme toi, il va se faire traîner sur le bitume, jusqu'à avoir la même tête de clown Bogdanov que toi. Sous-merde. Maintenant, on sait comment ils t'ont fait ta gueule de Bogdanov, espèce de victime. Balance de merde. Bon, maintenant on va être clair. Si tu hais les rebeux comme ça, si tu hais les rebeux, c'est parce que tu les as poucaves et ils t'ont mis à la cave. Hein? Rappelle-toi. Et ça, tout le monde le sait, Walid Kishulardon. Et c'est le même effet que Megafiot subit. Hein? Eh ouais, Megafiot, il a balancé tous ses potes du 9 de Zizi là, dans son réseau de Cheb Kebab. Ah, il est parti en bracelet, mais depuis les mecs, je te dis, ils veulent pas l'embrasser. Ah là là, ça va être le bisou de Judas celui-là. Ah ouais, méga fiotte, pourquoi tu racontes pas aux gens pourquoi tu vas pas dans le 9-2 faire le kékos? Hein? Bon, sérieusement. Moi, ces derniers jours, je rigole. Il y a quand même Chaume Dux qui va faire le mec pas facho avec méga fiotte et qui lui fait croire qu'il vote à gauche. Écoute, Chaume Dux. Je voudrais pas être méchant avec toi. Mais toi et moi, on sait très bien que tu votes boxe. Et boxe, c'est absolument pas la gauche. Toi, tu votes extrême droite. Arrête de faire le mec chez Méga Chiotte, parce que moi, tu sais quoi? Sinon, je vais ressortir tes commentaires. Et oui, tu es un facho ignorant. Ça n'empêche que tu fais rire des fois, mais tu es un facho ignorant. Et ton nouveau pote là, Méga Fiotte, c'est une salafiote qui cautionne les attentats. D'accord? Donc, quand tu dis ouais, on est dans une équipe opposée. Non, vous êtes dans la même équipe, bande de Mongoliens. C'est ça que vous n'avez pas compris. Sur ce, continuez à raconter de la merde. Franchement, c'est de plus en plus pathétique. Et puis là, l'ornithorynque là, Sandrine Moru, quand tu dis que tu vas porter plainte sur tout le monde depuis des années, alors que t'as poussé des mecs au suicide avec tes ivrognes de potes qui aujourd'hui sont tes ennemis, et que tu sais très bien que ce pourquoi ils sont tes ennemis, c'est les dossiers qu'ils ont sur toi quand tu poussais l'autre au suicide et que tu les organisais pour le faire. Hein? L'ornithorynque, le FBI, c'est dans tes rêves. Arrête de croire que tu vis dans Netflix. L'ornithorynque, t'es connu nulle part. Les deux espèces de poufias de maison de retraite qui t'ont fait des dédicaces, t'inquiète, leur tête, elle est aussi en sécurité que la tienne. Ok, l'ornithorynque? Et puis un petit dernier big up à la tocarde, Kiki la juriste. On t'entend plus trop là. Tu fais la meuf qui est en vacances? Profite de tes vacances parce que la rentrée va être corsée, crasseuse. Pour le reste, big up la famille. Walibi, je trouve. Baraka Fourtou et puis Walid Kisholardon. T'es comme tous les autres bolos. Tu m'as dit je t'aime pas. Non, tu me bloques parce que t'as pas les couilles de débattre avec moi. Moi, je te mets tout de spi. Tu repars, tu marches comme John Wayne. Pédale.